Venir me voir. Oui, je suis dans une voiture blanche. À tout de suite. Je suis curieuse. Je suis sûre que le public va adorer. Cette nouvelle ligne est la meilleure idée qu'on ait eue depuis le lancement de nos entreprises. L'idée n'était pas de nous, mais de Sarah. Et qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Ce qu'elle a pensé ou notre argent qui a servi pour en faire une réalité? Arrête d'être injuste, Bianca. Une bonne affaire a besoin des deux parties. Mais mon argent est plus important que Sarah. C'est simple. J'ai compris. Mais cette conversation ne prendra fin que si je suis d'accord avec toi, c'est ça? Oh, ou avec un massage. Qu'est-ce que tu préfères? Te donner du plaisir. Bonsoir. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Évidemment, c'est mon travail. Excuse-moi. Voici la somme qui était convenue. Maintenant, tu peux y aller. Travaille bien. Kim est au bureau à cette heure-là? Elle a oublié des documents. Elle va les chercher. Oublié, Kim? Elle est si organisée. Et alors, les personnes organisées n'oublient rien? C'était quoi? Rien. Allez, viens. Je crois que j'ai entendu un bruit. Ça doit être un rat. Attends.
Ça va être super, on va faire d'une pierre deux coups. Demain, au showcase d'Anna et Daniel, je profite de la présence de la presse pour annoncer ta tournée. Dans quelques mois, je vais chanter dans tout le pays. L'adrénaline commence à monter. Mais d'ici là, tu auras déjà sorti ton disque et tous les gens te connaîtront. Et on va commencer par quelle région? Ici même, à la capitale, Luanda. Du calme. Ce sera un test, mais je suis sûre que ce sera un vrai show. Je suis sûre qu'avec toi à mes côtés, je peux tout réussir. Tout est sous contrôle, monsieur? Alors? Tout va bien. C'est un plaisir de travailler avec toi. On dirait que tu devines ce que je fais. Et je le devine, il suffit de te regarder. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Bien occupé. Je vais à la cuisine parler avec Rose. Je pense qu'avoir ses beignets à la fête sera une bonne manière de promouvoir son C'est affaire. C'est une très bonne idée. À tout de suite. À tout de suite. Ça avance? Alors, Kim, tu t'en es occupée? C'est fait. Demain soir, le produit de B-Sport et d'Exclusiva sera projeté dans une autre dimension. J'ai hâte de voir la fin de Bianca et de Greg. Le préjudice sera si grand que leur monde va s'écrouler. Fais attention, Kim. Je ne veux pas que Jamila se doute de ce qu'on est en train de faire. Elle ne me le pardonnerait jamais. Je vais travailler à la maison aujourd'hui. Je ne veux pas sortir, rester coincé dans les bouchons et rater le show de mes petits-enfants. C'est très bien. Déjà que tu n'étais pas là pour le lancement de mon livre, si tu rates encore un événement, on va t'expulser de la maison. Anna et moi, on serait très fâchés si papy venait pas. Pas vrai, Anna? Hein? Tu n'as pas entendu ce que nous disions, ma fille? Non. Je n'ai quasiment pas dormi, maman. J'ai fait des cauchemars avec des gens qui lançaient des œufs quand je chantais. Oh, mon amour, tu dois te calmer. C'est fou, ça. Elle a tout le temps peur. C'est pas la peine de faire pipi sur scène. Daniel, tu n'es pas gentil. Mais c'est vrai. Anna dit toujours que ça marchera pas. Elle aime pas répéter. Et si c'est pour m'empêcher de chanter, il vaut mieux trouver un muet pour le faire avec moi. C'est ce que je vais faire. Je vais trouver un muet pour prendre ma place. Anna, ma fille, attends. Ton frère faisait une blague. Anna! Daniel... Va faire tes excuses à ta sœur. Maintenant, dire la vérité, c'est mal. Fais ce que ta grand-mère te dit sans te plaindre. Pour que le show soit un véritable succès, vous ne pouvez pas monter sur scène fâchée. Allez! Excuse-moi. Je t'en veux pas, t'es excusée. Je ne veux plus de disputes, de piques ou de blagues. C'est compris? Compris. Pour moi, c'est bon. Mais chérie... Les frères et sœurs sont faits pour être complices. On devrait profiter de ne pas aller en cours ce matin pour aller au garage de papy. Les clés sont là. C'est pas le jour pour faire ça. Il a dit qu'il restait à la maison pour aller avec nous au showcase. On prend les clés. C'est pas le jour de papy, Anna, c'est le nôtre. On ira au garage demain. Je vois que t'as pas envie. Bon, je vais boire beaucoup d'eau et me concentrer. C'est ce que font les chanteurs avant un show. Tu devrais faire la même chose. Du calme, Walter. C'est juste un show. Ils ne vont pas chanter avec Beyoncé. Ah, mais ça, je le sais. Mais c'est un grand jour pour la famille Nembe. Un moment très important, avec d'immenses répercussions. Inimaginables. Je suis juste triste que Carlos ne soit pas là pour le voir. Je ne sais pas si ça l'aurait rendu heureux. Anna et Daniel ont sorti un single qui n'a eu aucun succès. Ah, jusqu'à aujourd'hui, oui. Parce que la promotion, parce qu'elle a été mauvaise. Le peuple et le public sont distraits et parce qu'il pleuvait, parce qu'il faisait beau, parce que le ciel est bleu et que le vent souffle. Parce que je n'ai pas rempli correctement mes obligations comme agent artistique. Voilà.
Oui, c'est vrai, j'ai perdu beaucoup trop de temps avec le procès de Bianca. Mais tout ça est fini, ça appartient au passé. Allez. Allô? C'est Lemba. Ça, c'est sûr. J'ai le mandat d'arrêt de Madame Margarita Estevan dans les mains. On va chez elle maintenant. Mais à cette heure-ci, elle est déjà à Sainte-Agnès. Je vais y aller maintenant. C'est bien, on se retrouve là-bas alors. À tout de suite. Oui. Bon, je dois y aller. Non, attends, excuse-moi, j'ai pas bien compris là. Tu vas à Sainte-Agnès? Je dois travailler, Walter. Oui, mais le show, t'y vas pas? Oh si, mais c'est l'après-midi, je vais travailler le matin. Bon, allez, on se voit chez Joël, hein. Soraya, non, attends, voir. Enfin, l'arrestation de Margarita sera un moment historique. Comment tu sais ce que je suis venue faire ici? C'est Madame Elena ou... Je ne l'ai encore dit à personne. Et je me forcerai de ne pas applaudir quand je verrai Margarita sortir d'ici menottée. Chef, je peux aller parler avec cet employé? Je m'en occupe. Elias? Oh, ça fait plaisir, Lemba. Tu es venu voir le vieux Elias? J'avoue que vous me manquiez déjà, mais aujourd'hui, je suis venue parler avec Madame Margarita. Elle n'est pas encore arrivée. Mais on m'a dit qu'elle était en train de travailler. Non, ce que je sais, c'est que d'ici 10 minutes, elle a une réunion. Mais je vous en prie, m'entrez dans cette salle, salle numéro 2. M'attendez là. Ok, merci, Elias. Quand elle arrivera, prévenez-moi, s'il vous plaît. D'accord. C'est pour bientôt. J'espère que Margarita profite de ses derniers instants de liberté. Elle a déjà profité de beaucoup de monde et pendant longtemps, mais maintenant c'est fini. Bonjour, Elias. Margarita est arrivée? Pas encore. Il est arrivé quelque chose? Non, pourquoi? Tout le monde veut voir la directrice aujourd'hui. D'abord, Monsieur Roberto, et puis Lemba, sa fille, qui est ici avec la police. Ça doit être à cause de l'arrestation de William. Et où est-ce qu'ils sont? En salle 2. Merci, Elias. Elena m'a tout raconté. J'étais très content d'apprendre que tu as arrêté de soutenir Margarita dans cette histoire de corruption. J'espère que ma repentance est arrivée à temps. Bien sûr que oui, Soraya. Margarita est presque arrêtée. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Je ne sais pas. Je crois que non. Soraya, vous n'avez parlé à personne comme convenu, n'est-ce pas? Non. Je n'ai plus parlé à Margarita depuis que vous lui avez dit que Jacinta venait la voir. Margarita n'a aucun moyen de savoir qu'elle a été prise en flagrant délit. Bon, alors, le mieux, c'est de rester calme et attendre. Ah. Oh, bonhomme, t'es aveugle ou quoi? Pardon, Elias. Oh, bonjour, madame. Il y a tout un tas de personnes qui veulent vous parler. Si ce n'est pas sur mon agenda, ils perdent leur temps. Ils sont de la police. De la police? Oui. Lemba et un collègue à elle. Madame Soraya a dit que c'était sûrement à cause de Monsieur William. Où est-ce qu'ils sont? En salle numéro 2. Merci, Elias. Elias, si on me demande, dis que je ne suis pas encore arrivée. Et tous ceux qui vous attendent. Dis-leur ça, Elias. Margarita devrait être déjà là. Elias m'a dit qu'elle avait une réunion prévue. Quelqu'un devrait peut-être aller voir ce qui se passe, non? J'y vais. Ce retard est très étrange. Fais en sorte de ne pas te montrer. Alors, et Margarita? Oh, Lemba, tu m'as surpris. Mais vous m'aviez dit qu'elle avait une réunion, non? Oui, elle avait une réunion. Alors, elle n'est pas arrivée? Elle était là, mais elle est repartie. Mais, Elias, comment ça? Elle était là, à Sainte-Agnès? Oui, elle m'a demandé de dire qu'elle n'était jamais venue. Je n'y crois pas, c'est pas vrai. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Lemba! Ça ne peut être que ça.
Margarita a compris qu'on était après elle et elle a fui. Et maintenant, Lemba? Je vais essayer de l'appeler. L'argent. L'argent que Margarita a reçu de la grand-mère de l'élève ne peut être que chez elle. Bien sûr, elle ne va pas fuir sans son argent. Ouais. Moi, je pense qu'il faut appeler les enfants. Je suis en train de m'en occuper. Tu peux sortir? Ok. Allô, le commissariat? C'est l'inspecteur Lemba Cabral au téléphone. Envoyez un véhicule chez Margarita Estevan, la directrice de Sainte-Agnès. Margarita ne répond pas au téléphone? Son téléphone est éteint. Oui, l'adresse est sur mon bureau. Vous avez une voiture dans la zone? Alors envoyez-la là-bas. Joël, tout est prêt à être servi. J'ai laissé les plateaux avec les gâteaux. Tout est prêt pour l'événement. C'est dommage que tu ne puisses pas rester pour voir ça. Oh, excuse-moi, Joël. Mais avec Bento à l'hôpital, je dois donner un coup de main au bar. Priscilla ne va pas pouvoir s'occuper de tout toute seule et nous ne pouvons pas laisser fuir les clients. Comme dit le proverbe, l'œil du maître engraisse le cheval. Oui, c'est ça. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, tout est sous contrôle. Bon spectacle, Joël. Jamila, je t'embrasse. Ciao. Et embrasse Priscilla pour moi. Ok. Ciao. Ça y est, tout est prêt. Tu veux voir? Ouais. Alors là, je suis vraiment surpris. C'est incroyable. Voilà, vous êtes les meilleures assistantes de production qu'on peut rêver d'avoir. Attention, si Kim t'entend dire ça, elle va être jalouse. Oui, ou elle va te demander de nous engager. Le résultat est vraiment super. C'est vrai. Bon, maintenant, il faut attendre que les petits arrivent et fassent leur balance. Maintenant, il faut juste attendre les invités et la presse. Bonjour. Je suis venu chercher les jumeaux. Bon, ils devraient s'appeler les Nambé, mais bon, c'est pas grave. Tu n'avais pas besoin de venir, Walter. On aurait pu se retrouver là-bas. Je ne fais qu'accomplir mes obligations en tant qu'agent artistique professionnel. Je veux qu'il soit traité avec toute l'exigence du monde artistique. Il ne peut pas manquer ne serait-ce qu'une serviette blanche. Alors, je suis beau? Eh ben... Waouh! On dirait un prince. Ah, j'aime te voir avec ton air confiant. On dirait qu'il est écrit sur ton front « Né pour briller ». Bien, mon copain. Toi et Anna, allez rentrer dans l'histoire du show business angolais. Elle est où ta sœur? Je crois qu'elle s'habille avec maman. Oui, mais vous devez arriver sur place bien avant tous les médias. Vous devez sentir l'ambiance, faire la balance. Allez, va la chercher. Walter, Anna est extrêmement stressée. Il vaut mieux ne pas presser la petite... Peut-être, mais il est déjà tard, Flore. Du calme, Walter. Voilà ce qu'on va faire. Vous partez ensemble avec Daniel et Flore et moi, on emmène Vanessa et Anna. Ça va? Oui, ça marche, oui, monsieur. Mais au moins, comme ça, Joël ne pensera pas qu'ils ont abandonné l'idée de chanter, hein, pas vrai? Abandonner? C'est pour les faibles. Ah, c'est ça qu'on veut entendre, mon copain, mon copain. Allez, on y va. Et, au revoir. Au revoir. C'est drôle, au début je pensais que Daniel était dépité, mais j'aime le voir confiant comme ça. À positiver. Walter, tu ne l'as pas vu? Il vient de sortir avec Daniel. Anna n'est pas prête? Je ne sais pas. Daniel m'a dit qu'elle était avec toi en train de s'habiller. Avec moi? Non. Je n'ai pas vu Anna depuis un certain temps. Non, Anna n'est pas venue ici. Mais Naïdé, quand tu nettoyais la maison, tu ne l'as pas vue? Non, je ne l'ai pas vue. Et maintenant? Mais où est-ce qu'elle est passée? Thank you.
maman, Anna s'est enfuie, c'est sûr. Pour qu'elle disparaisse ainsi, elle a fait une fugue. Elle avait une peur bleue de monter sur scène. Mais maman, il fallait qu'elle affronte le problème, qu'elle nous dise qu'elle ne voulait pas chanter, mais pas qu'elle s'enfuit comme ça sans rien dire. Et maintenant, on ne peut pas partir sans elle. Ça ne sert à rien qu'on reste tous ici à l'attendre. Papa, je ne partirai pas tant que je ne saurai pas où elle est. Bon, bah, je reste ici avancée et tenter de gagner du temps avec Joël, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Oh, quand elle rentrera, elle va m'entendre, cette petite... Ton père a raison, on va y aller, ma fille. D'accord. Papa, donne-nous des nouvelles. Je vais rester l'attendre encore un peu. Mais si elle ne revient pas, je vais aussi partir à sa recherche. Et sur le chemin, on va appeler les parents de ses amis. Elle est peut-être chez l'une d'entre elles. Si cette petite n'arrive pas à temps pour le showcase, je la déshériterai. Je ne lui laisserai même pas un coin de ça pour s'acheter des habits. Oh, ma fille, c'est la colère qui parle. En y réfléchissant, je ne vais pas la déshériter. Je vais l'envoyer à l'armée. Là-bas, elle apprendra à laver ses vêtements toute seule. Voilà. S'il y a quoi que ce soit... À plus tard, papa. À tout à l'heure. Margarita n'est pas chez elle. Mais nos collègues vont rester là-bas et si elle se manifeste, elle sera arrêtée. Elle doit déjà être loin de Luanda. Avec l'argent qu'elle a reçu de cet élève en train de se payer nos têtes. C'est pas possible. Je ne peux pas croire qu'on les laissait s'enfuir. Hé, hey, monsieur, des lames de rasoir. T'en prends pas? Hé, hey, mon pote, ça ici, ça ne manque pas. C'est de la bonne. Elle vient pas de Chine. Elle rase comme une machine. Elle rase comme une machine. Tu la vends bien, mais allez, non. Prends-en allez, une. Celso. Sors d'ici. Celso. Qu'est-ce que vous faites ici, madame Margarita? Je dois parler avec Vesa, mais je n'ai pas son numéro. Vous voulez parler avec Vesa? Non, mais vous avez pas honte. Je ne suis pas venue pour me disputer, je dois vraiment lui parler. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est entre elle et moi. Où est-elle? Elle n'est pas ici, mais je peux quand même lui téléphoner. Je peux rester chez toi? Dans ma maison? Non, mais vous voulez pas du jus frais et un café aussi? Jusqu'à ce qu'elle arrive, Celso, s'il te plaît. Je t'en prie. D'accord. Entrez. Non, Vesa, qu'est-ce que t'as? Je suis pas fou et j'ai même pas bu. Je suis à la maison avec ta sœur et elle voudrait te parler. Je fais quoi, moi? Ah, d'accord, bon, bah dépêche-toi alors. Tu sais comment elle est. Ciao. Vesa va arriver. Merci. Reste tranquille, je ne vais rien te voler. C'est juré? Parce que quelqu'un qui peut voler sa propre sœur peut voler n'importe qui. Ce n'est pas à toi que je suis venue parler. Calmez-vous. C'est moi qui vais pas rester ici à vous parler, d'accord? J'ai des clients qui m'attendent au salon. Et je vous en prie, ne faites pas comme chez vous. Mais vous ne pouvez rien me dire de plus. D'accord. Merci quand même. Ok, au revoir. Alors, Rose, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Comment il va? Ils ont dit que l'opération s'était bien passée. Oh, mais on doit attendre pour savoir s'ils vont amputer le pied ou non. Attendre encore? Oh mon Dieu, la vie d'une personne peut basculer d'un moment à l'autre. Tout d'un coup, Monsieur Bento va chercher des boissons et l'instant d'après, il est au fond d'un lit sans savoir s'il va continuer à avoir ses deux pieds. C'est le destin et la méchanceté des hommes, ça oui. Qui renverse quelqu'un et s'enfuit, Priscilla? Comment une personne peut voir quelqu'un allongé au sol sans l'aider? Si cette personne l'avait fait, le pied de Bento ne serait peut-être pas en danger. Il n'a pas eu de chance, le pauvre. À ce moment précis, personne ne passait. Il est resté au sol, seul à souffrir. Bon, mais il faut espérer qu'il aille mieux. Allez, vas-y, va voir ce que veut ce monsieur. Je vais faire plus de jus. On doit être irréprochable avec les clients. Va. Oh, Madame Rose... Merci encore pour votre aide. Je ne sais pas si j'aurais pu assurer toute seule au bar. Vas-y. C'est tellement beau. Papy est vraiment fou. Thank you.
maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas. J'ai déjà appelé toutes les amies d'Anna. Elles ne savent pas où elle est. José n'a pas appelé non plus. Ça veut dire qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Vous les avez déjà goûtés? Ils sont divins. Ah, heureusement que tu arrives. J'ai cru que tu allais aussi et rater le petit. Pourquoi? Qui n'est pas venu? Parce que Anna elle, je sais a disparu. Personne ne sait où elle est, Soraya. Quoi? Daniel, avec le retard de ta sœur, on n'aura pas le temps de faire la balance, tu vois, enfin, le test de son. Alors prépare-toi à faire le showcase directement, d'accord? Mais c'est grave. Tu sais, il peut arriver qu'il y ait un mauvais réglage avec le son dans les micros. Mais écoute, si cela devait arriver, reste calme. Continue à chanter et tout va bien se passer, d'accord? Je vais la tuer, Anna. Elle l'a fait exprès. C'est l'heure du showcase. Je n'ai toujours aucune nouvelle d'Anna. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elle s'est cachée quelque part pour ne pas chanter, José. Joël le sait, mais il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Bon, et si elle réapparaît, nous allons immédiatement là-bas. On peut peut-être encore arriver à temps. Ok, bisous. Ok. Vesa, ma sœur, j'ai vraiment besoin de toi. Ben, c'est moi, je rêve, c'est pourquoi. Je suis désespérée. Tu es au courant du scandale sur William? Oui, j'ai entendu à la radio. Les parents d'une élève en ont après moi, ils veulent me frapper. Ils sont à l'université, devant ma porte. Tu faisais aussi partie de l'affaire de prostitution de ton mari? Tu es folle. Je ne suis pas une bonne sœur, mais je ne suis pas une criminelle. Alors pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai juste besoin d'un endroit pour me cacher jusqu'à demain matin. Tu penses que je peux me cacher ici? Maintenant que tu as des problèmes, tu te rappelles de la famille que t'as ignorée toute ta vie? Tu peux m'humilier, me marcher dessus, m'appeler par tous les noms que tu gardes pour toi depuis tout ce temps. J'ai juste besoin de quelques heures. Après, je fais ma valise et je m'en vais. Et tu iras où? Dans un endroit où je sentirai que ma vie ne sera pas en danger. Margarita, si c'était moi qui demandais de l'aide, tu me claquerais la porte au nez. Vesa, s'il te plaît, je suis ta sœur. Je ne suis pas comme toi. C'est pourquoi je vais t'aider. Merci. Je ne le mérite pas. Mais ne crie pas victoire trop vite. Je vais en parler avec Celso, c'est chez lui. Oui, bien sûr. Il y a des fruits. Je comprends. Merci, Vesa. Est-ce que tu te rends compte, Vesa? Ta sœur t'a toujours maltraitée. Comme une moins que rien. Si j'étais toi, je la jetterais dehors avec la poubelle. Mais Celso, je ne vaudrais pas mieux qu'elle. Elle le mérite. La vengeance n'arrête pas la méchanceté. Réfléchis, elle va s'améliorer avec le temps et nous respecter plus parce que nous sommes sa famille. Tu te gourres. Ta sœur s'améliorera pas, Vesa. Et j'espère simplement qu'elle n'est pas mêlée à une sale affaire pour laquelle tu paieras plus tard. Tu m'entends? Oh, arrête, Celso. Elle ne va rester à la maison que quelques heures. Après, elle va partir et nous laisser en paix. C'est ton problème. J'espère que tu ne vas pas le regretter. Celso... C'est exactement ça. Au prochain trimestre, Jamila va faire une tournée dans tout le pays. Oui, j'espère pouvoir apporter l'album dans le plus grand nombre de régions possible. Le single a été un succès. Nous pouvons espérer vous voir dans les tops musicaux avec d'autres thèmes. Eh bien, je laisse le peuple angolais décider. Ce que je peux garantir, c'est que j'ai mis toute mon âme dans ce projet. Et j'espère que les auditeurs l'entendront. Bien, à la fin du showcase, nous allons mettre à la disposition des journalistes un press kit avec toutes les informations. Mais maintenant, profitez de l'instant et gardez toute votre attention sur le show que nous allons voir, d'accord? Merci beaucoup. Merci. Merci. J'étais bien? Très bien. Anna n'a toujours pas réapparu. Je commence à manquer d'air. Du calme, Walter. Mange et attends, tu ne peux plus rien faire. Si elle s'est cachée parce qu'elle ne veut pas chanter, je suis quasi sûre qu'elle ne reviendra pas. Oh, maman, je ne sais pas. Au départ, je pensais qu'elle avait fait une fugue. Mais maintenant... Anna a toujours été une fille responsable. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Il vaut mieux abandonner la musique. C'est hors de question. Joue au basket.
Écoute, tu devais faire partie du projet de mon père. Basketmania marche du tonnerre et tu joues bien. J'ai besoin de la scène, chanter pour un public. Alors d'accord. Mais je crois que tu vas devoir le faire seul. Je dois prendre une décision. Ou nous annulons le showcase maintenant, ou Daniel monte sur scène et chante tout seul. Non, 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 on attend. Walter, le mieux c'est d'arrêter ça maintenant et d'aller chercher Anna. Anna ne viendra pas. Mais si, voyons. Non, non, elle était morte de peur. Il faut que vous restiez calme, pour l'amour de Dieu, du calme. Va venir. Je ne peux pas retenir la presse plus longtemps. Et si Anna ne réapparaissait que demain matin? Ce groupe est un duo. Daniel tout seul, ça n'a pas de sens. Daniel va vouloir chanter sans sa sœur. Il a beaucoup répété, il était si confiant. Tout seul, sur cette scène? Daniel arrivera à s'en sortir très bien. Oui, c'est une façon de minimiser les dégâts qu'on aura avec le public et les médias, voilà. Oui, alors, allez lui parler, je pense que c'est Daniel qui doit décider. Mon Dieu, c'est embêtant. Tout seul? Vous voulez que j'aille tout seul sur scène? Seulement si tu le sens, mon fils. Est-ce que tu penses y arriver? Tu te rappelles tout ce que je t'ai enseigné, hein? C'est dans ces occasions que les vrais artistes montrent du courage, hein? Et c'est comme ça qu'on distingue les vrais stars des chanteurs amateurs. Alors? On y va, Daniel? Ça va être un échec. J'espère qu'Anna et Daniel ont montré le pire d'eux-mêmes au showcase de Joël. Si ça dépendait de toi, tes neveux n'auraient jamais de disque de platine. Donc ils peuvent, tant qu'ils ne sont pas engagés dans la boîte de Joël. Si tu n'avais pas insisté, Anna et Daniel n'auraient sûrement pas été des artistes chez Musicao. Je voulais qu'ils restent proches de Joël parce que j'avais besoin de savoir pourquoi il était revenu en Angola. Maintenant que je le sais, je ne veux pas que mes neveux rapportent de l'argent à l'entreprise de cet idiot. Excusez-moi de vous interrompre, je peux vous demander votre avis? C'est quoi? Le premier jet du document que je vais envoyer aux médias. Sur le lancement de la nouvelle ligne B-Sport Exclusiva. Tu as travaillé vite. Le lancement n'est que dans 2 jours. Le lancement est déjà dans 2 jours. Je vais rester travailler ici ce soir. Pour que demain matin, je puisse envoyer le document. Pour moi, c'est parfait. Je ne vois pas pourquoi tu te fatiguerais à travailler durant la nuit. Une perfectionniste ne se repose jamais. Avant d'arriver à ses fins. Sarah est accro au travail ou ce n'est vraiment qu'une impression? Les personnes investies te dérangent maintenant? Non. Tant qu'elle ne vient pas me demander des jours, elle peut même monter une tente à côté du bureau. Bon. J'ai déjà tes signatures. Je te laisse travailler. Greg, tu peux venir voir quelque chose sur mon ordinateur? Que se passe-t-il? J'espère que tu as compris le message dans le bureau. Je vais rester ici travailler. J'ai compris, Sarah, mais je ne sais pas si je pourrais venir. Ah non? Sérieux? D'accord. Et tu ne t'énerves pas? On évolue. Si Mahomet ne va pas à la montagne ira à Mahomet. Tu sais ce que ça veut dire? Bon, Sarah, si j'ai une maîtresse, c'est pour m'amuser. Pour jouer avec mes nerfs, j'ai déjà Bianca. Tu es averti. Si tu ne viens pas avec moi ce soir, je te rejoindrai où que tu sois. Tu es tombé sur le crâne, ça doit être ça. Tu me manques. Tu es complètement folle. De toi? Pourquoi le nier? Chers invités, sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter un des visages du duo Les Jumeaux. Applaudissez bien fort Daniel Leca. Bon courage, bonne chance à toi. Oh
Maman, il est nerveux, j'ai envie d'aller l'embrasser. Du calme, ma fille, du calme. Vas-y, chante. Oh, oh, oh. Après l'échec du single, maintenant celui du showcase. Ce n'est pas bon pour Musicao. Je connais ce stress, Kim, il y a des personnes qui le dépassent, d'autres non. Il fait clairement partie de la seconde catégorie. Je l'ai prévenu, il devrait jouer au basket. Mais chante, chante. Ah, chante, tu vas le rendre plus nerveux, Walter. On va mettre un terme à tout ça. Donne-lui du temps, ma fille, donne-lui du temps. Vous pouvez arrêter la musique. Je vais aller le chercher. Reste ici, assieds-toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai honte. Hein? J'ai jamais eu honte comme ça depuis que je suis née. Mais je vais vous raconter une histoire. À ma naissance, ma maman m'a dit que j'avais un jumeau. On dit que les jumeaux sont pareils, mais j'ai tourné la tête et j'ai vu que c'était une fille. J'ai regardé vers le bas, j'ai regardé sur le côté et j'ai pensé, quelqu'un s'est trompé, mais il vaut mieux ne rien dire à personne. Ma mère n'est pas grosse. Et je répondais, ah ouais? Alors pourquoi est-ce que le reste de la famille n'apparaît pas sur les photos de famille? C'est mon fils. Oh, une idée. J'ai perdu mes clés. Ce matin, elles étaient au-dessus de ce meuble? C'est là où je les laisse toujours, mais elles n'y sont pas. C'est étrange. Les clés de la voiture sont là, mais pas les clés du garage. Je ne me rappelle pas les avoir laissées ailleurs dans la maison. Je vais voir dans la cuisine. Oh, je ne supporte plus d'être ici à attendre Anna. Allez, j'y vais. Et maman insistait. Non, mon fils, papa n'est pas sous. Il apprend une langue étrangère, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Et le garçon ne comprenait pas. Mais maman, il l'apprend dans le caniveau. Et pourquoi papa enlace l'évier et crie après quelqu'un dans une langue étrangère? Ça, c'est mon garçon. Bravo, bravo. Merci. C'est mon petit-fils, hein. Eh ben, vous êtes enfin là. Je n'ai pas trouvé Anna, je suis allée à l'école dans les alentours, rien. Mais où est-ce qu'elle peut bien être allée? Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose de grave? Vous vous inquiétez pour rien. Maintenant que le spectacle est fini, elle va réapparaître avec sa tête d'hypocrite. Je croyais ça aussi, mais maintenant... Toujours Anna, que... Anna, et moi j'ai joué au clown. Tu as joué la comédie? Il a fait un show. On aurait dit un vrai comique sur scène. Raconter des blagues, ça a été ma manière de m'excuser auprès des invités. Avec tout ça, je n'ai toujours pas retrouvé mes clés, je les ai perdues. Tes clés? Il a dit qu'il restait à la maison pour aller avec nous au showcase. On prend les clés. C'est pas le jour de papy, Anna. C'est le nôtre. On ira au garage demain. J'y crois pas. Je crois que je sais où est Anna. Non, mais laisse-moi encore une opportunité. C'est tout ce que je te demande, Joël. Bon, les enfants stars sont comme ça. Ils sont imprévisibles. Oh, monsieur Walter, n'avions-nous pas convenu que c'était la dernière chance pour Anna et Daniel? Écoute, Walter, non, on saurait mieux de rentrer. Vous parlerez un autre jour. Je n'y crois pas que tu sois si peu visionnaire. Et il n'a pas vu mon petit-fils avec tout le public subjugué à ses pieds, hein? Et il était seul, alors imagine Anna en plus sur scène, le double de talent. Attendez, si j'ai bien compris, Anna a abandonné ou a fui parce qu'elle avait peur de se montrer sur scène, c'est bien ça? Et oui, Daniel a réussi à conquérir l'audience, mais il n'a pas chanté. Mais justement, imaginez ce charisme sur scène, à chanter à tue-tête, hein? Joël, faites attention, vous êtes peut-être en train de perdre de grands talents. Désolé, monsieur Walter, mais Musicao n'engage pas de comédien. Oh Walter, arrête d'insister maintenant, on s'en va. Oui, on s'en va, oui. C'est pas la peine que je gâche mon argumentation avec des personnes bornées. Vous êtes jaloux. D'accord, merci. Cet homme est embêtant. C'est normal qu'il insiste, hein. Ce sont ses petits-enfants.
Bon, pendant que tu t'occupes ici, je vais monter. J'ai besoin de prendre une bonne douche. D'accord. À plus tard. Allô? Joël? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plan ne s'est pas passé comme prévu. Margarita s'est enfuie. Quoi? C'est pas possible, l'imbécile. Sa bicyclette est ici. Mais où est-ce qu'elle est? Elle a dû entrer dans le garage avec ma clé. Mais ce garage est à mais toi. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'Anna est venue faire ici? Découvrir ce que papy nous cache. Papa? Anna? Anna? Tu es là? Tu es là? Papy? J'arrive pas à ouvrir la porte. Attends, du calme, la serrure a un problème. Essaye d'ouvrir maintenant et je pousse ici. Vas-y. Enfin, je pensais que personne ne viendrait. Oh, mon amour, tout va bien. Mais, José, qu'est-ce que c'est? C'était une surprise. Je travaille sur ce projet depuis des mois. Oh, wow. Oh, c'est toi qui as fait tout ça? Impressionnant, José. Après toutes ces années, tu arrives toujours à me surprendre. Et nous qui pensions que tu faisais quelque chose de mal? Ah ouais, genre du trafic de personnes. Mais tu vas vendre ces livres? Non, ma fille, j'ai un autre projet. Faire une bibliothèque ambulante. Et ton travail, comment tu vas réussir à concilier les deux? Flore, j'ai fait une demande de retraite. Quoi? Oui, je veux me balader en Angola pour promouvoir la lecture. Oh. Nos jeunes et nos enfants le méritent. L'Angola doit avoir une génération culte et alphabétisée. Cette camionnette est très belle. On peut voir? Allez-y, elle est toute à vous. Oui, allons-y. Waouh. Demain, Sarah. Tu vas vraiment rester? Oui, je veux que tout soit prêt pour demain. Attention, chérie, ne travaille pas trop. Si tu te brûles les cils, aucun mascara ne peut le cacher. À demain. Je n'oublierai pas ton conseil. À demain, reposez-vous bien. Je ne suis pas d'accord avec Elena. Je pense que Margarita est encore à Luanda. Pourquoi? Elle y ferait quoi? Elle a plein d'argent et elle sait que tu as l'intention de l'arrêter. Ton père a raison, si elle était bête encore, mais malheureusement, elle ne l'est pas. Appelez ça de l'instinct, mais j'ai un plan en cours. Nous allons voir s'il se passe bien. Où est-ce que tu vas? Je vais tenter d'attraper Margarita. À très vite. Tu viens dîner, Margarita? Je ne veux pas vous déranger, Vesa. Merci beaucoup. Ce qui nous dérange, c'est d'entendre votre estomac gronder. Celso, tu veux dire que s'il y en a pour deux, il y en a pour trois, pas vrai? Merci beaucoup. Je repartirai dans peu de temps. Cette assiette est pour toi. Si tu as faim, assieds-toi et mange, ok? Heureusement que Philippe est à son entraînement de basket. Pourquoi? Tu allais te disputer avec lui aussi? Eh bien, tu es bien confiante. Tu crois vraiment qu'il voudrait être ici avec le diable en personne? Arrête avec ça, Celso. Margarita va partir bientôt. Arrête de l'embêter. Non mais qu'est-ce qu'elle fiche encore là? Oh, Celso. Ah, mon sucre d'orge, j'ai une de ses fins.